Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, le sabbat éducatif. Une partie du passage principal de cette semaine dit « Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous devez absolument respecter les jours de sabbat. En effet, le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à moi. Il vous rappellera que je suis le Seigneur et que vous m'appartenez en propre. » Exode 31, les versets 12 et 13. Cette parole est, sans contredit, catégorique et restrictive. Catégorique dans le sens où Dieu ordonne à son peuple d'observer le sabbat. Il ne s'agit pas d'une proposition facultative, mais d'une directive divine. Restrictive dans le sens où nous devons observer le sabbat uniquement sans rien observer d'autre ou n'importe quel autre jour. Nous ne devons pas prendre notre relation avec Dieu en main et, comme Caïn, apporter à Dieu des sacrifices qui font notre affaire. On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Michée 6, verset 8. Nous devons faire pour lui ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Gardez le sabbat. De tous les mots que Dieu aurait pu utiliser concernant notre relation avec le sabbat, il a choisi le mot garder. La connotation de ce mot est que le sabbat est un trésor. Bien que certains en soient venus à considérer le sabbat comme une règle à suivre, un délai hebdomadaire dans la quête de richesse ou de succès, ou une pénalité héritée par la chute d'Adam et Ève, le sabbat est pour Dieu un bien précieux qui doit être gardé au risque d'être perdu. Ce trésor ne doit pas être gardé avec une force brutale. On ne chérit pas le sabbat en l'ensevelissant. Le mot « garder » implique que nous observons le sabbat en le chérissant dans notre esprit ou notre mémoire. Ailleurs, la Bible dit « N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat » Exode 20, verset 8. Observer le sabbat n'est pas une pratique hebdomadaire. Chérir le sabbat signifie dans tout ce que nous pensons, faisons et planifions, nous pensons d'abord au sabbat. Un signe entre Dieu et nous. En plus d'être un trésor, le sabbat est aussi un signe entre deux parties, Dieu et son peuple. Le texte implique que le sabbat est le signe d'une alliance. Cependant, à de nombreuses reprises dans les Écritures, lorsque le mot « signe » est utilisé, il fait référence à des choses miraculeuses que Dieu a faites. Dans l'Ancien Testament, il se réfère souvent aux signes que Dieu a opérés par Moïse lors de la délivrance d'Israël de l'Égypte. Bien que le sabbat soit certainement un rappel de l'alliance de Dieu avec nous pour nous assurer le salut, il y a aussi un rappel des œuvres miraculeuses de la création, lorsque sa parole seule a établi les cieux et posé les fondements de la terre. Le sabbat, en tant que mémorial de la création, nous rappelle son pouvoir miraculeux de créer et de recréer. Le sabbat, en tant que mémorial de son alliance pour nous sauver, nous rappelle son pouvoir miraculeux de sauver et de racheter. Ainsi, le sabbat est un mémorial de la création et de la rédemption. Il est important de noter que le sabbat n'a pas été conçu uniquement pour les Israélites dans Exode 31. Dieu a dit que ce signe devait être entre lui et son peuple de génération en génération. Le sabbat comporte un élément d'enseignement. Une partie de sa conception devait servir de mécanisme d'enseignement à la prochaine génération, expliquant à nos enfants le désir de Dieu de communier avec nous. Ainsi, le sabbat devait être le fondement de l'éducation. Il a été conçu pour donner aux parents la possibilité d'être les premiers enseignants de l'enfant et de faire de la connaissance de Dieu en tant que créateur et rédempteur les premières leçons à apprendre. Cette méthode d'éducation devait être préservée depuis les premiers parents jusqu'à la dernière génération de la famille humaine. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels éléments de votre expérience du sabbat ont conservé l'intention éducative originale de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.